Le Caire, 1906. Aux portes de l'Empire ottoman, un Arménien nommé Boros Nubar, financier, ingénieur et inventeur réputé, réunit autour de lui 9 personnalités arméniennes influentes de la vie politique, économique et culturelle égyptienne. Avec eux, il fonde l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, une organisation humanitaire internationale et laïque. Son ambition ? Mettre un terme au dépérissement du monde arménien ottoman en développant l'éducation et en relançant l'économie dans les provinces arméniennes de l'Empire. Car depuis plus de 10 ans, la misère psychologique et sociale des Arméniens ne cesse de s'aggraver. Tout a commencé en 1894. Pendant 2 longues années de violence, près de 200 000 Arméniens sont massacrés dans toutes les régions d'Anatolie sur ordre du sultan Abdulhamid. À Constantinople, où 5 000 Arméniens ont été tués, de nombreux intellectuels et notables arméniens embarquent pour l'Égypte. Pour assurer leur survie, ils n'ont pas d'autre choix que l'exil. Restés sous suzeraineté ottomane mais jouissant d'un statut d'autonomie, l'Égypte est à l'abri de ces réactions violentes. Depuis le milieu du 19e siècle, des entrepreneurs européens, des commerçants et des fonctionnaires orientaux de confession chrétienne sont accueillis pour participer à la modernisation du pays et façonner son nouveau visage. Le Caire voit aussi affluer les opposants au pouvoir du sultan, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, arméniens, arabes ou turcs. Parmi les exilés arméniens, un ingénieur agronome, Yervan Taraton. Pendant 10 ans, il ne cessera de penser à ce terroir arménien appauvri et amputé. En 1905, il décide de passer à l'action. Pour lui, l'autorité et les talents de gestionnaire de Boros Nubar en font l'homme de la situation. Le 15 avril 1906, au terme de l'Assemblée constituante, Boros Nubar prend la tête de l'Union. Le destin des Arméniens ottomans ne va pas tarder à précipiter l'organisation au cœur des violences de masse et à la confronter à un défi sans précédent dans l'histoire contemporaine. En juillet 1908, l'Empire ottoman est ébranlé. Un groupe d'officiers originaires des Balkans, les Jeunes Turcs, renverse Abdulhamid avec le soutien de comités révolutionnaires arméniens, albanais et macédoniens. Éprouvés par la violence de l'ancien régime, les élites arméniennes oscillent entre espoir, méfiance et rejet. Car sous le discours officiel du parti Jeunes Turcs, prônant l'égalité de tous les citoyens de l'Empire, pointe une idéologie fermement nationaliste. Un vent de liberté souffle malgré tout sur l'Empire, et l'Union entend bien en profiter, d'autant que dans les provinces, la paysannerie arménienne est toujours victime d'agressions kurdes et des pratiques discriminatoires de l'administration ottomane. Mais alors que l'Union tente de s'implanter sur l'ensemble du territoire anatolien, la Cilicie bascule dans la violence. En avril 1909, 25 000 Arméniens sont massacrés par une partie de la population turque, des bandes irréguliers et l'armée ottomane. Près de 5 000 maisons, fermes, écoles, églises et boutiques sont réduites en cendres. On dénombre 90 000 sans-abri et 8 000 orphelins.
L'une des régions les plus dynamiques de l'Empire est ruinée et la population arménienne réduite de moitié. Tandis que le patriarcat arménien de Constantinople prend en charge les orphelinats et assure la gestion politique des événements, en se demandant qui des jeunes turcs ou des fidèles d'Abdulhamid ont ordonné les massacres, l'Union lance une souscription nationale pour venir en aide aux sinistrés. Les fonds récoltés lui permettent aussi de transférer des rescapés en Égypte et de fonder un orphelinat dans la ville cilicienne de Dertiol. Avec les massacres de Cilicie, l'Union vient d'être confrontée pour la première fois à la violence de l'État ottoman. Mais rien encore ne laisse présager de ce qui va advenir. Les événements survenus en Cilicie ne font que confirmer l'importance de la mission de l'Union et marquent durablement les esprits de tous les Arméniens établis en diaspora. De Buenos Aires à Jérusalem, en passant par Los Angeles, Worcester, Paris, Marseille et Salonique, plusieurs dizaines de comités sont créés pour soutenir le projet éducatif, économique et culturel de l'Union dans l'Empire. En 1912, une trentaine d'écoles provinciales reçoivent déjà des subventions de l'Union, qui ouvre de nouvelles classes, agrandit les établissements scolaires et fait construire une école normale d'instituteurs à Vannes. Au fil des mois, son champ d'action s'élargit. Elle acquiert des terres agricoles qu'elle cède ensuite aux paysans et s'engage dans la santé en finançant des hôpitaux. Peu à peu, la condition des Arméniens s'améliore dans les bourgs, les villages et les quartiers arméniens des métropoles régionales. C'est dans l'une de ces cités, à Urfa, l'antique Édesse, située au carrefour des grandes routes commerciales de la Haute Mésopotamie, que naît Aram Melikian le 11 avril 1912. L'enfant est baptisé à la cathédrale Sainte-Mère de Dieu, située au cœur du quartier arménien. Ses parents, Vartan et Anouche, enseignent l'arménien et le turc au collège rattaché à la cathédrale. Aram n'a pas de grands-parents. Tous ont été exterminés pendant les massacres de 1895. Orphelins depuis leur prime enfance, Vartan et Anouche entourent leur fils d'une attention particulière, modelée par leur propre déchirure. Chaque instant partagé en famille est vécu intensément. Les messes, la découverte de l'agitation et des odeurs du bazar, les promenades dans la citadelle qui domine la ville et les visites chaleureuses du parrain d'Aram, Levon Yotner-Perian. Issu d'une famille de notables, Levon est un patriote, un terrien et un homme cultivé et respecté de tous, qu'il soit turc, kurde ou arménien. L'équilibre est de courte durée. En septembre 1912, un conflit en gestation depuis des décennies éclate dans les Balkans. Une coalition des armées grecques, bulgares et serbes affronte l'armée ottomane pour libérer la région du joug turc. En moins de 3 mois, l'armée impériale est mise en déroute. Après 6 siècles de domination sans partage, l'Empire ottoman vient de perdre la quasi-totalité de ses provinces européennes. Le traumatisme de la défaite et du démembrement entraîne la radicalisation du comité jeune turc. L'insécurité se répand comme une traînée de poudre dans les provinces arméniennes. Fin 1912, la situation est telle que les cercles politiques arméniens décident d'internationaliser la question des réformes en Arménie, restée en suspens depuis le traité de Berlin en 1878. Après de longs mois de débats, un projet de réforme est adopté par les puissances. La réaction des jeunes turcs ne se fait pas attendre. En janvier 1914, un plan d'homogénéisation de l'Anatolie est discuté au cours de réunions secrètes du comité jeune turc. Le plan prévoit la déportation des Grecs, puis celle des Arméniens en Syrie et en Mésopotamie. En novembre 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Orient. L'Empire ottoman a choisi le camp de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie face à la France, la Grande-Bretagne et la Russie. L'euphorie des jeunes Turcs au début de la guerre vire rapidement au désastre militaire. En janvier 1915, sur le front oriental à Sarıkamış, la 3e armée ottomane est décimée par un hiver terrible et par une contre-attaque de l'armée russe. Le gouvernement jeune turc change alors ses priorités
Désormais, ce ne sont plus les Grecs à l'ouest, mais les Arméniens à l'est qui sont désignés comme sa principale menace. Entre le 10 et le 19 avril 1915, une série de massacres ensanglante les villages arméniens de la province de Van. Le 20 avril, les Arméniens de la ville se retranchent dans leur quartier et décident d'organiser leur autodéfense. La résistance de Van est aussitôt exploitée par les autorités jeunes turques. Les Arméniens sont accusés d'avoir trahi l'État ottoman et de poursuivre un projet séparatiste en accord avec l'ennemi russe. L'extermination des Arméniens ottomans, décidée un mois plus tôt, peut maintenant commencer. Dans la nuit du 24 au 25 avril et les jours suivants, les élites arméniennes de Constantinople et de toutes les provinces de l'Empire sont arrêtées et déportées. Parmi elles, le secrétaire général de l'Union, le docteur Nazareth Daravarian, rentré à Constantinople en 1908 après son élection au Parlement ottoman. Tandis qu'il disparaît au sud-est de l'Anatolie, les provinces arméniennes se transforment en un gigantesque abattoir. Au cours de l'été 1915, alors que près de 600 000 Arméniens des provinces orientales ont déjà été exterminés, 5 000 villageois se retranchent dans leurs montagnes du Moussadar, le mont Moïse, pour échapper à leur destin. Après une résistance de 40 jours au siège de l'armée ottomane, la flotte française vient à leur secours et organise leur évacuation vers l'Égypte. À Port Saïd, un vaste camp de réfugiés est installé par les autorités militaires britanniques. La présence dans le camp de plus de 1200 enfants décide l'Union à fonder une école en octobre 1915. Pendant ses premiers mois d'existence, elle est constituée de 25 grandes tentes et accueille les enfants âgés de 5 à 13 ans. Deux années passent et l'école est transférée dans des bâtiments en bois. Un mouvement scout voit le jour, puis une section d'apprentissage. Les élèves sont formés au métier de menuisier, cordonnier et tailleur pour que leur avenir soit assuré, quel que soit le lieu où ils seront amenés à s'implanter. En attendant, la guerre continue et des bruits alarmants parviennent au Caire. Des centaines de milliers d'Arméniens déportés dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie seraient morts entre l'automne 1915 et décembre 1916. L'inquiétude est grande, mais pour l'heure rien n'est sûr, car les Alliés ne parviennent pas à enfoncer les lignes ottomanes. La situation se débloque en novembre 1917. L'armée britannique a lancé une vaste offensive sur le front de Palestine et parvient à conquérir une à une les villes palestiniennes. Ce sont alors des dizaines de milliers de déportés arméniens en haillons, hagards et affamés, que découvrent les troupes commandées par le général Allenby. Répondant à l'appel des autorités militaires britanniques, l'Union s'investit aussitôt dans la prise en charge des déportés en leur faisant parvenir des vivres et des vêtements. Au printemps 1918, des informations sur des milliers de femmes et d'enfants arméniens retenus par des tribus bédouines alertent l'Union, qui recrute un groupe de recherche armé. Il est emmené par Levon Yotnerperian, le parrain d'Aram, qui a déserté la 4e armée ottomane. Sa première expédition dans le désert le conduit dans les campements des tribus bédouines de la Wadi Moussa. Il y récupère une vingtaine de femmes et d'enfants. Parmi eux, un petit garçon totalement muet. Derrière son regard abîmé et sa peau durcie par le soleil, Levon croit reconnaître Aram. Mais l'enfant ne réagit ni aux questions, ni aux souvenirs évoqués par Levon. Sur le chemin du retour vers Damas, le petit rescapé lui semble même de plus en plus étranger. Peut-être me suis-je trompé, se dit finalement Levon. Peut-être ai-je trop voulu croire Aram en vie, au point de le trouver dans le silence abyssal d'un petit orphelin du désert. Une fois arrivé à Damas,
Levon préféra penser qu'Aram et ses parents gisaient dans les ruines froides d'Urfa. Le 31 octobre 1918, l'armistice est signé à Mudros. L'occupation de toute la Syrie par les Alliés permet enfin de faire l'état des lieux. Ce que l'Union et les instances arméniennes redoutaient est arrivé. L'immense majorité des déportés arméniens en Syrie et en Mésopotamie a été exterminée ou décimée par la famine et les épidémies. Cette douloureuse réalité va dicter pour longtemps l'avenir de l'Union. Devant l'ampleur de la catastrophe, le Conseil central de l'Union décide de mobiliser tous les moyens dont il dispose pour secourir les rescapés disséminés sur l'ensemble du territoire syrien. Dans les régions d'Alep et de Damas, on dénombre 75 000 rescapés. Plusieurs milliers ont trouvé refuge dans des caravansérails. Les autres errent dans les rues, en proie à la famine et aux épidémies. L'Union leur fait parvenir des biens de première nécessité, de la nourriture et des couvertures. Dans l'ancienne caserne ottomane d'Alep, l'organisation fonde un hôpital et même une petite école pour les enfants les moins abîmés. Les orphelins récupérés dans les tribus sont dirigés vers les orphelinats de Damas et d'Alep. Comme tous ces enfants, les jeunes femmes rapatriées se trouvent dans un état de grande fragilité physique et psychologique. Pour leur prodiguer des soins et les réadapter à leur nouvel environnement, l'Union fonde un hôpital et un refuge dans les deux villes. La tâche des responsables est souvent difficile. Les horreurs que ces jeunes femmes ont subies les cloîtrent le plus souvent dans le silence et dans une profonde détresse. Après quelques semaines de repos, l'équipe qui les encadre les initie à la lecture, à l'écriture et à la broderie. Autant d'activités qui leur permettent d'entamer leur reconstruction. En juin 1919, Levon est de retour à Damas après une longue expédition dans le désert syrien. Il dépose aussitôt à l'orphelinat de l'Union les enfants qu'il vient de récupérer et prend des nouvelles de ceux qu'il a sauvés lors de ses précédentes missions. L'enfant muet trouvé dans la Wadi Moussa se tient devant lui, le visage adouci par les soins et la tendresse d'une année. Mais surtout, le petit garçon parle, et lorsqu'il prononce son nom, Levon est bouleversé. Aram, Aram Melikian, le fils de Vartan et d'Anouche. Levon ne s'était donc pas trompé, c'était bel et bien Aram qui l'avait arraché aux Bédouins. Puis Levon comprend vite que l'enfant n'a conservé aucun souvenir d'Urfa, et que son acte de naissance est gravé dans un meurtre collectif dont il est incapable de restituer la scène. D'autres enfants arméniens attendent, se dit aussitôt Levon. D'autres enfants attendent, qui ne savent plus qui ils sont, ni d'où ils viennent. Et après avoir serré l'enfant dans ses bras, Levon repart pour le désert. La défaite de l'Empire ottoman a profondément bouleversé la carte du Moyen-Orient. Comme l'avait prévu l'accord Sykes-Picot conclu en 1916, la Grande-Bretagne administre la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. La France s'est octroyée quant à elle les territoires syriens et libanais et la Cilicie. Ne reste aux Turcs que le centre de l'Anatolie et l'est de l'Asie mineure, car à l'ouest, les Grecs ont débarqué leurs troupes. La France a pris possession de la Cilicie en février 1919. Rapatriés dans la région par les autorités britanniques et françaises, les rescapés arméniens nourrissent l'espoir de trouver enfin la paix dans ce qui doit être leur futur foyer national. La présence en Cilicie de près de 100 000 Arméniens permet à la France de consolider son occupation et de contrer les visées territoriales du mouvement national turc qui se structure autour de Mustafa Kemal. Comme de nombreuses autres organisations humanitaires occidentales, l'Union prend